Et bonjour à tous. Alors, on est le lundi 15 janvier 2024, première randonnée de l'année. On est au Ventoux, donc parking des Ermitans, côté sud. C'est assez rare d'avoir autant de neige. Alors, ce week-end, il y en avait à gogo et il faisait super beau. Malheureusement, j'ai pas le temps d'y aller. Donc là, il y a un peu moins de neige, mais il en reste pas mal. Mais le temps est un peu moins agréable, on va dire. Voilà, donc voilà. Le but du jour, c'est remonter la piste des Ermitans, faire toute la ligne de crête là-haut et vers là-bas. Normalement, il y a le sommet, mais comme vous pouvez le voir, le Ventoux a la tête dans les nuages. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner pour les images là-haut. Bon, le vent est en train de se lever, donc avec un peu de chance, ça devrait dégager les nuages. On pourra avoir de belles vues. On va voir ce que ça donne. Allez. Kilomètre 1, on est presque en haut de la piste des Ermitans. Ah, donc on voit la crête là, hop, on va la longer jusqu'au bout, jusqu'au sommet. Ah bon, ça se dégage moyen, hein. On voit bien côté nord derrière la crête, c'est tout noir. Mais bon, on a une visibilité à 300 mètres, donc il y a espoir de quand même pouvoir vous faire de belles images. Allez, on va voir ce que ça donne là-haut. Allez, tête de la grave, donc le sommet est par les crêtes. Hop, à 3,5 km. Voilà, sur les crêtes, on le sent bien là, le vent. Hein. D'ailleurs, il doit, au parking, il faisait 5 degrés, là, il doit faire à peine 1 voire 0. Par contre, c'est super. Là, on voit les nuages noirs, on voit toutes les montagnes de la Drôme. Juste sous les nuages. Bon, au loin, normalement, dans les Alpes, on ne les voit pas aujourd'hui. Les collègues hier les voyaient, qui étaient ensoleillés. Donc ça, c'était le côté nord. Hop. Et côté sud. Voilà. Côté sud, les monts du Vaucluse et les Alpilles tout au fond. Je ne sais pas si ça se distinguera bien. Voilà, bon, il reste une dizaine de centimètres. Il reste une dizaine de centimètres de neige. Il en était tombé 30, je ne sais plus quand, jeudi ou vendredi. Vous voyez, ça fond assez vite. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il en retombe. Il y a des chances qu'il en retombe dans la semaine. Et ce serait super pour le week-end prochain. Après, côté noir, côté station, il y en a beaucoup plus. Mais bon, on aurait été en plein vent tout le long. Là. Il y a du vent sur la crête, mais dès qu'on descend un peu, on est à l'abri. C'est pour ça que j'ai pris cette option-là aujourd'hui. Oh, c'est un peu bouché, mais on voit quand même bien à 200 mètres, donc la balade devrait être agréable. Oh, je suis content, il reste quand même vraiment pas mal de neige. J'ai peur qu'il en reste moins. C'est super agréable de voir le Ventoux, parce que c'est pas tout le temps, c'est pas chaque hiver qu'on peut le voir comme ça. C'est superbe. Vous voyez, pour ceux qui connaissent pas la ligne de crête, on a des grands poteaux là tous les 10 mètres, donc même si le brouillard s'intensifie, c'est vraiment très facile de se repérer, il n'y a vraiment aucun risque de s'égarer. Et les poteaux, ils nous mènent tout droit au sommet. Allez, sur la crête, là, côté nord,
montagne, balayer la neige. Super. Je veux dire, ça souffle un peu là. Et qui descendent, c'est super beau. Allez, ça se voit là, on va affronter un dernier bourré d'art là. Il doit rester un petit kilomètre et on sera au sommet. Voilà, kilomètre 4, on est à peu près à 500 mètres du sommet. Par contre, ben, Paris, pas gagnant, hein. Je pensais que. Le vent ça allait se dégager, mais on est dans les nuages et dans le brouillard complet. Il y a un gars là, à 80 mètres devant moi, à peine on le distingue à l'œil nu. On est dans le brouillard et dans le vent, ça tend, je pense. Dommage, là d'ordinaire, il y a une belle combe, on voit rien. On a quand même poursuivre jusqu'au sommet, en espérant quand même arriver à l'apercevoir. C'est un peu plus proche. Donc là d'habitude, et ben, superbe vue sur le Ventoux. Et là, superbe vue sur la combe fond. Voilà. On va aller jusqu'au sommet, ça va pas être une super vue les amis. C'est la montagne, c'est comme ça, on gagne pas à tous les coups. Allez, ça y est, on est arrivé au sommet du Ventoux. Il est 14h40, j'avais démarré à 13h15. Et on a fait 6 km tout rond en suivant la ligne de crête. Hein. C'est incroyable, il y a ces brouillards là en haut. Que la borne, hein. Sommet du Ventoux, 1912 mètres. Voilà, bébé, je vais en profiter pour dédier cette petite vidéo à Katia et JP. Je sais que ça vous fait plus de faire le Ventoux sous la neige. Voilà, ben moi je suis content parce qu'il n'y en a pas souvent chez nous de la neige. Donc j'en profite malgré le brouillard et ben, du coup les images pas top. Allez, parce que là, normalement il est là, il est juste là l'antenne, mais on n'arrive même pas à la voir. L'esplanade. Allez, le panneau. Et là, bah, c'est fou, hein. On a le pied de la tour et l'antenne est juste là, à 20 mètres, on la voit même pas. Incroyable. Incroyable mais vrai. Allez, on va voir, on va pousser jusqu'à la chapelle, zut, comment elle s'appelle celle-là, Sainte-Croix il me semble. Chapelle Sainte-Croix, voilà, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Magnifique. Ah, ça fait plaisir de l'avoir dans la neige comme ça. Ah, c'est dommage qu'il y ait ce brouillard là. D'habitude, une grande étendue là et on descend par là jusqu'au Jas des Pèlerins. C'est ce que je comptais faire. Et après, il y a une piste qui part à gauche, rejoint la voiture. Mais bon, voilà. Comme je vous disais, vu le brouillard qu'il y a, on va rien voir, donc je pense que je vais descendre, je vais faire la redescente par la route. Et bon, la montée aura été sympa, pour la descente tant pis, il n'y aura pas de paysage, dommage. Allez, l'intérieur de la chapelle, une
total. C'est pas très grand, hein. 25 mètres carrés, mais bon. Éventuellement, ça permet de pouvoir se mettre à l'abri en cas de vraiment mauvais temps. Allez, le restaurant Le Vendran, là, juste en dessous du sommet, dans une purée de pois. Il est là, le sommet, mais on le voit pas. Allez, on est dans la nasse, tant pis. Donc, du coup, je vais redescendre par la route. Ça va me faire 6 km à peu près pour rejoindre la voiture. On verra si un peu plus bas ça se dégage. Allez, descente par la route, donc comme je disais, mais bon, sur cette partie là elle est fermée depuis le chalet Reynard quasiment, enfin le Rhône est garé, donc elle est enneigée. Reste agréable, on la voit quasiment pas la route. Là, on arrive à la stèle Simpson. Allez, petit hommage, la stèle Tom Simpson, qui est décédé dans l'ascension du Ventoux en vélo. Allez, kilomètre 9 dans la descente. Par la route, et ben là, comme un peu plus clair, tout en bas on voit la piste par où j'aurais dû revenir si j'avais fait le circuit normal. Voilà, mais bon, donc sans regret, parce que c'est vrai qu'on voit pas grand chose. Hein. En descendant, ça s'éclaircit un peu, on y voit à 200 mètres, mais bon, d'habitude d'ici on a le vent tout, on voit l'antenne, on l'a tout le long, et... rien du tout. Et kilomètre 10, on est passé enfin sous les nuages. Voilà. Donc là, il reste encore un peu de neige, mais beaucoup moins. Il doit rester à peu près 2 km max pour retrouver la voiture. Fontaine de la Grave. Et ben voilà, ici s'achève la randonnée. On reconnaît la piste là qu'on a pris au départ pour monter. Voilà, et donc ben, on finit le même temps qu'on avait au début. Heureusement, j'ai perdu mon pari. Ah, on voit bien, normalement on l'a là-bas, le sommet du Ventoux. Et il est resté dans les nuages tout le long. Voilà, c'est pas bien grave. Hein. On a quand même fait une belle balade. Allez, 11 km, 11 km 500. Donc 11 km 500 la balade, à peu près 500 de dénivelé, la montée était sympa, la moitié de la montée on avait quand même bien de la visibilité, après on était dans le brouillard, c'était sympa, jusqu'à la chapelle Sainte-Croix, après la redescente, le brouillard, rien de bien intéressant, du coup on est descendu par la route, on a pris l'air, c'est l'essentiel, et c'était la première randonnée de l'année, hein. Faut bien attaquer. Voilà, je vous dis à plus tard pour d'autres aventures. En espérant qu'il reneige, que toute cette neige ne fonde pas, surtout côté nord, qu'il en retombe un peu, et puis éventuellement on pourra faire de nouveau une jolie sortie, mais ce coup-ci côté nord, et j'espère avec le soleil pour pouvoir voir vraiment le sommet sous un meilleur jour.